Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes vendredi 28 avril 2023, c'est parti pour une vidéo à action de servant. Nouveau gobelet en bambou. Ils sont trop mignons, j'ai envie de dire. Après, je vois qu'il y a plusieurs dessins. Après, est-ce que c'est par rapport à la paille, puisque la paille, vous allez la voir en caisse, mais en fait, ça, c'est un papier. Alors, je ne sais pas pourquoi il y en a différentes couleurs. Donc, ils font 400 ml, 1,99€. Après, en bambou, on a ceux-là, les cannelés. Alors, ceux-là, ils font 400, bah pareil, hein, la même contenance, 1,82€. Par contre, ce que j'aime bien dans ceux-là, c'est que, vous voyez, le trou, il y a du silicone. Donc, ça se renversera peut-être moins rapidement si on le penche un peu, ou contrairement à celui-là. Où le trou il est fait. Les fameux verres à cocktail, hein, 3,99€. À la bonbonnière en plastique, alors ici vous allez trouver au rayon vaisselle, elle est à 1,39€. Les pots à provision, les trois pièces à 2,72€. Donc je les ai vus il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo dans un autre magasin. Et c'était exactement les mêmes, 2,72€. Alors tous les jours, il y a une nouvelle gourde Tefal. Donc la première c'était celle-là, 5,95€. Ensuite on a eu celle-ci en inox, 5,95€. Et maintenant on a celle-ci. Ah mais c'est la couleur. Voilà, c'est la couleur, la différence. Je pensais que c'était autre chose. Non, c'est la couleur, donc 5,95€. Bouteille, alors ils mettent bouteille sport, 700 ml en plastique noir. Les pots à épices, donc le porte-pot plus les 5 pots, 4,95€, donc ils existent en noir et ils existent aussi couleur inox. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait comme ça. Alors je sais qu'il y en a que ça énerve, il y en a que ça agace, je crois qu'ils me disent ne tape pas, ne tapote pas sur les articles, mais c'est vrai que moi c'est un réflexe. Et je sais par contre, il y en a qui sont habitués à ce que je tapote sur les boîtes. Ils ont mis les ouvre-boîtes, 2,49€. Ils ont mis les fontaines de la gamme Tendance, 5,99€. Donc en vert, il y a 3 litres. Il y a bleu, rose et transparente. Avec bien sûr le petit robinet argenté, 3 litres. Alors concernant les petits robinets, alors je ne parle pas d'une jarre en particulier ou d'un distributeur en particulier. Si jamais vous avez votre robinet qui fuit, pensez, ou avant de remplir votre jarre, pensez à aller à l'intérieur et à revisser votre robinet. Les sous-assiettes. Alors pour moi, ça c'est une nouveauté par la taille. 30 cm de diamètre. On a que du blanc en fait. Je vois que du blanc. Alors ils sont à 1,99€ et ils existent aussi sans le blanc. Sur les contours. Le ruban Smart Connect LED, 22,95€. Alors c'est bien parce que vous avez la télécommande pour pouvoir changer la couleur, la vitesse, la musique. Il y a 9 mètres et il y a 8 pièces. 22,95€. On va faire un tour côté Connect Smart, donc tout ce que vous pouvez connecter à votre téléphone. On a la sonnette. Alors c'est une sonnette avec caméra. Moi je trouve que c'est top. Alors il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi je trouve que c'est pas mal, puisque de son téléphone on va pouvoir voir qui est devant la porte et pouvoir lui ouvrir quand c'est le livreur ou quelqu'un qui peut accéder si vous habitez un bâtiment. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parce que qui disent bah oui, mais quand on est en vacances, donc la personne du coup elle sait qu'on est en vacances, mais pas du tout, vous n'êtes pas obligé de lui dire que vous n'êtes pas chez vous. Et donc ça, c'est juste ça. J'ai vu dans certains actions, mais là je vois qu'il n'y en a pas, il y a possibilité aussi d'avoir le petit récepteur qui va sonner chez vous, donc vous pouvez après connecter au récepteur et à votre téléphone. Moi je trouve que c'est bien. Après voilà, chacun fait comme il veut.
l'alarme détecteur de fumée 1595. Pareil, moi je trouve que c'est pas mal. Alors, je vois pas, enfin, je pense que quand ça se déclenche, ça doit sonner sur votre téléphone. Vous devez avoir une alerte sur votre téléphone. Je trouve que c'est pas mal parce que moi, par exemple, la dernière fois, ce qui m'est arrivé, j'étais chez des amis et quand j'arrive chez moi, j'entends l'alarme qui s'est déclenchée. Alors, il n'y avait rien, il n'y avait pas le feu, il n'y avait rien. Je pense qu'il y a dû avoir un bug. Mais du coup, ça a sonné. Alors, ça n'a pas dérangé les voisins. Mais voilà, je me dis si ça avait dérangé les voisins ou les voisins auraient appelé les pompiers ou autres pensant qu'il y a le feu, ben c'est pas top. Donc là, comme c'est sur le téléphone, après, on peut appeler les voisins ou bien on peut rentrer à la maison pour voir ce qui se passe. On a le variateur pareil à connecter à son téléphone. Alors ça, c'est bien, hein. Ça permet de faire pas mal d'économies parce qu'on va pouvoir justement comme ça varier l'intensité de la lumière, éteindre des pièces qui sont peut-être restées allumées. 9,95. Et après, normalement, est-ce qu'ils en ont encore? Alors, on a les rubans LED connectés, les spots. Non, ceux-là, c'est avec télécommande. Faut pas que je vous dise de bêtises. Moi, ce que je cherche, c'est ça. Voilà, les ampoules connectées. Donc pareil, hein, en mettant ce genre d'ampoule, vous allez pouvoir, à partir de votre téléphone, changer la variation de la lumière, éteindre. Alors c'est, je cherche le prix, 4,95. On a aussi le ruban LED, pareil, qu'on va pouvoir paramétrer, éteindre, allumer à partir de son téléphone. 32,95 €. Tiens, les balises lampes extérieures, 14,95 €. On a les trois spots, 16,95 €. Et on a aussi cette version, parce qu'elle existe aussi côté jardin. Et celle-ci, c'est bien parce que pareil, on va pouvoir la paramétrer via l'application. 29,95 €. Moi, je suis un groupe sur Facebook qui est spécialisé hein, dans tout ce qui est matériel domotique. Et je trouve ça génial. On peut tout contrôler, que ce soit la porte du garage, la clim, la télé. Enfin, tout est contrôlable via le téléphone. Après, vous avez la version comme ça, donc non connectée, qui est en promo en plus cette semaine, 18,95 €. Les assises pour les bancs palettes. Donc on a l'assise, 19,95 €. Et on a le dossier à 6,95 €. 6,99 €. On va voir un peu tous les coussins. Les coussins ronds, 9,95 €. Il y a celui-là, puis il y a le noir et blanc. Après, il y a ces petits coussins d'extérieur à 4,99 €. On a vert, on a avec plein de petites fleurs colorées. On a le rose, celui-là. Et on a les coussins de chaises à 3,99 €. On a du gris, du rose, du gris clair. Puis après, on a ceux-là, coussins pour l'extérieur, hydrofuge, 3,69 €. Le barbecue, alors je vous avais fait une vidéo spéciale. Alors on peut trouver plein plein de choses pour le barbecue à petit prix. On a la pince en bambou qui peut servir aussi pour l'intérieur, hein. 1,58 €. On a les petites boîtes comme ça c'est sympa pour emporter après, et on peut les utiliser aussi pour cuire directement dans le four toute l'année. 1,99 € les petites, il y en a 6, et 1,84 €, il y en a 6 aussi à 1,84 € les 6. Alors regardez bien s'il y a le couvert, par exemple celui-là il y a le couvert, je sais qu'il y a un autre modèle qui est dans le rayon des gobelets et tout ça, où il n'y a pas le couvercle. C'est intéressant d'avoir le couvercle, comme ça on peut refermer soit pour emporter. Donner des fois quand on fait un barbecue qui a un reste de viande ou de salade, on peut emporter, soit pour conserver, mais c'est toujours bien d'avoir le couvercle. Un petit tour dans les débardeurs et t-shirts. On a ces débardeurs avec les bretelles spaghetti de 45. Les t-shirts basiques, hein, 3,39 €. On les a en noir ou en blanc. On a ces débardeurs-là avec les bretelles un peu plus épaisses, 2,89 €. On a ces débardeurs avec la petite dentelle, là, 2,25 €. Alors, ils n'ont pas encore remis, mais ah si, je n'avais pas vu. Ça, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup ceux-là. C'est les débardeurs extra longs. Hop, ils sont à 3,99 €. Donc voilà, si on cherche quelque chose de long ou des fois, si on a quelque chose d'un peu plus court, c'est bien de superposer.
Ils existent aussi en blanc. Moi, je les achète ici depuis quelques années. Et j'aime bien, ils sont confortables. C'est avec la petite dentelle, 3,89 €. Des nouveaux shampoings secs, Clean Fresh à 1,89 €. Les shampoings secs, c'est bien quand on ne peut pas se laver les cheveux. Ça peut être bien aussi pour les personnes qui ont les cheveux gras. Apparemment, c'est bien, ça permet aux cheveux de se reposer, on va dire ça comme ça. 1,89 €. Parce que c'est vrai que quand on a les cheveux gras, plus on va se laver les cheveux et plus ils vont graisser. Donc du coup, ça c'est une solution entre deux shampoings par exemple. Ils ont remis les disques démaquillants à 1,19 €. Hein, il y en a deux. Donc, pour se démaquiller juste avec de l'eau. Je regardais parce que normalement ils avaient d'autres couleurs. Ils les avaient aussi en bleu et noir. La recharge tient pour Dove, enfin de la marque Dove. 1,89 €. Ça aussi c'est nouveau, enfin chez Action. Le savon pour les mains de la gamme Sanitol à l'amande, nourrissant dermo-réparateur, 2,49 €. Donc c'est un gel lavant antibactérien. Allez, on termine par le retour de ces distributeurs à bubblegum, 3,99 €. Alors quand votre distributeur est vide, si vous n'arrivez pas à retrouver les recharges de chewing-gum, pensez aussi à mettre par exemple des petits M&M's ou des petits chocolats ronds comme ça. Oh, le retour de ces rouges à lèvres, alors, ça a fait toute mon enfance ces bonbons là, 99 centimes à la fraise, il y en a 8. Alors dites-moi qui a connu ces, je ne sais pas s'ils les vendent encore en boulangerie, alors je ne sais pas maintenant, mais c'est vrai que moi quand j'étais plus jeune, après l'école ou certains jours, on allait en boulangerie avec nos quelques centimes et on achetait ce genre de bonbons. Petit rouge à lèvres, il y avait les colliers, les rouloudous. Autre nouveauté, c'est la glace là. 69 centimes. Alors ça, les enfants, ils adorent ça. Hein. Que ce soit le cornet, vous voyez, c'est une sucette, hein, sorte de sucette. 69 centimes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard.